Le respect est très important. Je pense qu'il arrive un moment où il faut savoir imposer le respect. Quand vous laissez les gens vivre comme ils veulent autour de vous, dire ce qu'ils veulent, vous bousculer comme ils veulent, entrer chez vous comme ils veulent, il arrivera un moment où ils commenceront à entrer dans le salon et mettre les jambes sur la table et enlever les chaussures. Si vous n'êtes pas très fort ou vous ne savez pas comment appliquer la loi de la force, quelqu'un touchera les derrières de votre femme en votre présence. Il faut faire très attention. Le président ougandais Yoweri Museveni a accusé les Nations Unies de préserver le terrorisme en Afrique en général. Très fort. Il a accusé l'ONU, pas un pays, mais l'ONU de préserver le terrorisme en Afrique et en Démocratique République du Congo. République démocratique du Congo. Il dit en cette occasion, cependant, je tiens à féliciter les forces de sécurité ougandaises, les services de renseignement pour avoir protégé avec succès les pêcheurs présumés des Nyege-Nyege. Pour contexte. En Ouganda, généralement, on a une fête qu'on appelle Nyege-Nyege à la fin de chaque année. Je crois que c'est une, deux fois par an. Superbe fête, très grand, grandiose. Beaucoup de gens viennent partout en Afrique, partout dans le monde. En tout cas, des Américains viennent, des Anglais viennent, des Russes viennent, beaucoup de personnes de partout. Des Tanzaniens viennent pour faire la fête. C'est grand, c'est énorme, c'est massif. C'est la fête, c'est festoyant, c'est époustouflant. Beaucoup de choses passent, la musique. L'Ouganda ayant une culture évidemment du dancehall jamaïcaine, c'est malade. Pour ceux qui savent, ils savent. Nyege Nyege à la fin de chaque année, évidemment, est aussi une opportunité de se faire beaucoup d'argent pour les Ougandais. Beaucoup d'argent par le gouvernement à travers le taxe, beaucoup d'argent à travers les marchés, les hôtels, les restaurants. Donc c'est une occasion de se faire beaucoup d'argent. Maintenant, pendant cette occasion, cette année-ci, les agents de la Grande-Bretagne ont envoyé un message disant, interdisant aux citoyens britanniques de venir en Ouganda. Ok? Sont passés par les autorités ougandaises, ils ont dit « Ne partez pas en Ouganda parce qu'il y aura des frappes terroristes là-bas. » Le président ougandais n'a pas aimé ça du tout. Pas du tout. Et il a réagi. Et comme ils avaient l'information, disant que le groupe de ADF, les ADF sont des militaires rebelles contre le régime ougandais qui sont stationnés en République démocratique du Congo, les ADF auraient envoyé des émissaires ou des observateurs. Okay? Et à cette occasion, le président Museveni de l'Ouganda dit qu'ils sont prêts et il voulait féliciter ces militaires, parce que malgré l'événement, malgré la prédiction méphistophélique de l'Angleterre, rien de négatif est arrivé. Cela montre la force du système de sécurité ougandais pour être capable de protéger une fonction, c'est-à-dire une fête aussi massive et annoncée depuis si longtemps, malgré les menaces des terroristes. Et il dit, il est vrai que le ADF, les ports, il les a appelés, les ports de ADF, donc il a appelé les ADF ports, donc les cochons, les ADF sont au Congo. Ils avaient envoyé quelques infiltrés pour tenter de perturber le fonctionnement de la musique ou de la fête ici chez nous. En effet, j'ai entendu dire que les Américains et les Britanniques ont paniqué et ont envoyé des émissaires à leurs citoyens pour qu'ils leur demandent de ne pas venir en Ouganda. Okay, c'est eux qui ont fait cette erreur. Si la situation était mauvaise chez nous, ce serait à nous de conseiller aux gens de ne pas venir en Ouganda. Pas les Américains ou les Britanniques. Nous savons ce que nous faisons. Donc c'est ça. Vous comprenez le contexte. Il y a une fête en Ouganda où les gens y vont. Les Américains, les Britanniques disent alors non, ne partez pas là-bas parce qu'il y aura des terroristes. En effet, leur service de renseignement, service ougandais de renseignement, savait aussi que les ADF qui sont stationnés au Congo, dans les forêts, avaient envoyé des gens pour venir préparer le terrain. Mais eux, ils sont pas contents parce que comment est-ce que les États-Unis et les Britanniques peuvent se permettre de dire des choses sans passer par eux? C'est notre pays après tout. C'est à nous de le dire. Alors il félicite son armée. Puisqu'il n'y a pas eu d'incident, il n'y a rien laissé arriver, rien n'est arrivé. Il dit une partie du terrorisme en Afrique est soit créée ou entretenue par certains acteurs qui tentent de jouer le rôle des gendarmes du monde. Vous avez entendu ça? Une partie du terrorisme en Afrique est créée, soit entretenue par certaines personnes qui se prétendent gendarmes du monde. Nous savons de qui il s'agit là. Le chaos en Libye, dans les pays voisins du Sahel, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, le Tchad et autres, a été provoqué par certains de ces acteurs. Le vieux ne plaisante pas. Le projet de conservation du terrorisme à l'est du Congo depuis 20 ans est l'œuvre de l'ONU, il dit. Contrôlé par certains de ces acteurs à travers des structures antidémocratiques de ces organes comme les conseils de sécurité, a-t-il déclaré dans un communiqué. Donc, monsieur a fait un tweet pour ceux qui parlent anglais, allez jeter un coup d'œil sur le tweet. Vous pouvez aussi prendre le tweet en anglais et le mettre en français pour essayer de comprendre. Donc, il accuse l'ONU de perpétrer, donc conserver le terrorisme en Afrique pour des objectifs bien précis. Bon, je vous rappelle ici,
Nos amis de la RDC aiment trop la musique, c'est vrai, au-delà de la conscience qui devrait être beaucoup plus forte. Il y a beaucoup trop de musique, beaucoup trop de remuement des fesses, beaucoup trop de « oh, il y a concert », beaucoup trop de festivals. C'est quand même irritant. On a du mal à avoir pitié d'une personne qui n'a clairement pas pitié de soi-même. « Oh, on ne doit pas faire la fête parce qu'il y a la guerre ». C'est vraiment beaucoup, il y a beaucoup d'imbéciles, il faut le dire, malheureusement. Et aussi une très grande différence entre les gens d'un endroit à un autre du pays. Évidemment, pour ceux qui sont à l'Est, ils comprennent un peu plus les réalités de la guerre, parce qu'ils sont là, ils vivent la guerre chaque jour. Ceux qui sont à la capitale sont là en train de remuer les reins, remuer les fesses et attendre leur opportunité pour sanctifier et glorifier un Libanais qui s'est enrichi au Congo. C'est comme ça. Donc, généralement, c'est ça. Enrichi au Congo ou bien en concert. Bref. Mais le pays, depuis 20 ans, a dans son sein une force spéciale de l'ONU, censée venir, bien entretenue, censée être équipée pour combattre les forces négatives qui existent au Congo. Il y en a plus de 100 groupes armés qui font la terreur. Ces forces de l'ONU sont censées être là pour déloger ces gens, mais depuis 20 ans, ils ne quittent pas. En réalité, ils bénéficient des milliards de dollars chaque année. Milliards de dollars, ça fait 20 ans. Alors, ma question est très simple. Si vous êtes là pour déloger quelque chose de négatif, mais en attendant, vous recevez des milliards de dollars, vous allez quitter, vraiment finir votre mission et rentrer, ne plus avoir les milliards de dollars, attendre encore un nouveau truc, une nouvelle opportunité, si ça viendra ou pas. Quand est-ce que vous aurez encore une opportunité des milliards de dollars? La question se pose. Vous voyez un peu de quoi je parle? C'est ça. Ils sont là depuis très longtemps. Maintenant, très longtemps, ils n'ont jamais été capables de déloger qui que ce soit. L'ONU, force de l'ONU, incapable de déloger qui que ce soit. C'est incroyable. Alors, le président ougandais, qui généralement est accusé par les Congolais aussi, dit l'ONU fait partie des personnes qui entretiennent le terrorisme au Congo, RDC, ainsi que partout ailleurs en Afrique. C'est inacceptable. Bon, la raison pour laquelle les Anglais et les Américains n'aiment pas ce président, il faut se demander, certainement vous poser la question. Il y a très récemment, la dernière histoire en tout cas, c'est parce que monsieur a commencé à faire les choses comme il veut. C'est-à-dire, en Ouganda, on a voté une loi qui interdisait le mariage entre papa, ok, illégal, parce que évidemment c'est un pays chrétien, aussi musulman, très traditionnel. Leur tradition, d'après beaucoup de personnes, ne permet pas ce genre d'histoire. En tout cas, c'est pas le Gabon, je suis désolé. C'est comme ça à l'Ouganda. Et permettez-nous de le dire, c'est comme ça. Alors la réalité est celle-là, ils ont beaucoup résisté à cette histoire. Ils ont voté une loi au Parlement disant une personne papa qui osait venir dans le pays, dont l'objectif de promulguer, de parler, hein, d'initier les gens dans cette histoire, sera arrêté, peut-être, machin. Et surtout, si cette personne ose transférer, vous comprenez, les histoires qui peuvent se trouver dans le corps de quelqu'un, je ne veux pas dire les mots, vous comprenez, si vous osez transférer les histoires-là dans quelqu'un d'autre, vous savez comment ça se passe, quand tu fais un truc-là avec quelqu'un d'autre, ton histoire-là quitte chez toi, ça va chez lui. Et puis, ça commence à le... Si vous... C'est trois lettres. Si vous transférez cette histoire-là d'une personne à une, on va te... C'est ça ce qu'ils ont dit dans leur loi. On a coupé les dons, ok? À l'époque, il y avait même les dons que les États-Unis envoyaient à hauteur de 300 millions de dollars aux gens vivant avec le VIH en Ouganda. Mais parce que la loi n'a pas été stoppée par le président de la République, les États-Unis ont décidé de ne plus envoyer de l'argent. On ne verra plus l'argent. Moi, je me pose la question très simple. Si l'argent était vraiment envoyé pour les gens vivant avec le VIH, pourquoi est-ce que vous arrêtez d'envoyer l'argent? Parce que qu'est-ce que eux ont à voir avec ceux qui votent la loi dans le Parlement? Ils ne sont pas dans le Parlement. Ce n'est pas eux qui décident. Bon, vous voulez punir le président ou vous voulez punir les gens que vous êtes censé aider? Votre aide est vraiment une aide ou bien c'est une, je sais pas, levier de, c'est un truc de manipulation? Enfin, je me pose la question. Si c'est vraiment pour aider les gens qui sont en difficulté, pourquoi vous arrêterez parce qu'une tierce personne décide de changer les lois? C'est inacceptable. Peu après, la Banque mondiale a arrêté des transmissions, des échanges avec l'Ouganda. On ne donnera plus l'argent à l'Ouganda. Le président a dit, bon, écoutez, bon, on débarras. On n'en a pas besoin. Nous sommes assez nobles pour prendre soin de nous-mêmes. Ne vous en faites pas. Et après, pour défier aussi cette histoire, il est parti faire un petit tour en Russie. Il a dit, on m'a pas invité, mais je suis quand même venu. Donc, la réalité, c'est celle-là. On a mis beaucoup de pression. On a coupé les, on a arrêté les visas. On a annulé les visas de beaucoup d'Ougandais et tout le bazar. Et c'est comme ça que ça se passe. Il y a un bras de fer à ciel ouvert, dans le froid. Ce n'est pas une guerre ouverte, mais évidemment la guerre existante. C'est clair. Le président ougandais le dit clairement. Si vous avez des informations chez nous, il faut passer à travers nous, nos services à nous. Ce n'est pas à vous d'aller dire aux gens de ne pas venir. Okay? Ce n'est pas à vous de remettre en question ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes capables de gérer nos histoires tout seuls, sans difficulté. Et je pense que c'est une façon de vouloir se faire respecter. À l'instar de ce qui s'est passé en Afrique du Sud, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs,
l'ambassadeur américain déclarant qu'il y aurait une explosion à Sandton. Sandton, c'est le lieu le plus riche d'Afrique, où il y a le plus de millionnaires. Comme ça, à ciel ouvert, sont passés par les bureaux de l'État sud-africain, était inacceptable. Le président de la République sud-africaine a fait lui-même un discours disant « Nous trouvons inacceptable que l'ambassadeur américain se permette de dire aux gens « Il ne faut pas partir à Sandton, ça va exploser. » Il devrait passer par nous, par nos services de sécurité, nous informer, nous donner les sources de son intelligence ou ses renseignements. Ensuite, nos services à nous diront à nos populations comme il se doit. C'est ça le respect. Vous avez déjà vu un pays africain partir en Europe ou aux États-Unis dire « Bon, okay, il y aura bombardement ici. » Ça ne se fait pas. On risque de vous renvoyer, renvoyer toute l'ambassade. Alors pourquoi les Américains peuvent faire ça en Afrique du Sud et les Anglais en Ouganda? C'est inacceptable. Alors il a dit clairement « Je remercie nos services de sécurité pour leur travail. Les Américains et les Anglais ont envoyé leurs émissaires ici pour dire je ne sais pas quoi là, que les gens ne viennent pas. Nous, nous savons ce que nous faisons ici chez nous. Nous contrôlons la situation. Il n'y a pas eu d'incident. Vous avez vu nos polices, le service de sécurité. Il n'y a pas eu une seule situation ici, passée ici chez nous. Le respect est très important, n'est-ce pas, les amis? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci infiniment. A-t-il raison, le président ougandais, de s'exprimer de la sorte? Accuser ouvertement les Nations Unies. Il dit que les Nations Unies est contrôlée par le système de conseil de sécurité. C'est eux qui sont en train de préserver le terrorisme en Afrique. C'est eux qui préservent le terrorisme en République démocratique du Congo. C'est eux qui préservent le terrorisme au Mali, au Niger, au Sahel, au Nigeria, au Tchad. C'est chaud. God bless.